Mesdames, mademoiselles et messieurs, à nous faire place à Voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale. Rendez-vous cassé. T'allais comme ça. Et je dis assez, 8 avril 2024, son date définitivement historique, surtout avec éclipse solaire totale. Oui, nous avons un moment éclipse solaire. Moi-même, moi dans le studio là, je ne peux pas garder dehors. Et donc, c'est en pile attention qui fixe, c'est un événement planétaire, bien que éclipse a sorti, il déjà sorti Mexique, l'a traversé qu'on y a les États-Unis et il prend prendre direction et Canada, dans le moment, n'a pas là. Sandra Lemaire, après elle dit nous plus sous éclipse solaire. Amérique du Nord a vécu une autre éclipse solaire totale jeudi 8 avril là. Marsha Dunn, c'est une journaliste Associated Press. Everybody on Earth is going to, you know, be excited about this, but there will be. Tout le monde sur planète Terre excité, mais il y a 7 monde qui passe sur planète Terre qui intéresse tout. C'est astronautes qui vivent dans la station spatiale internationale là. Ça prend 90 minutes pour faire le tour planète Terre. Il y a capable de voir au moins une partie éclipse là et il va prendre note en l'air. Fois ça, éclipse là a duré deux fois plus longtemps et plus moon a suivi passé quantité qui t'a suivi dernière fois ça arrivé en 2017. The only reason why we're so lucky to be getting total solar eclipses is because the moon. Il dit raison nous gagne chance comme ça c'est parce que la lune 400 fois plus petit passé soleil là. Soleil là situé 400 fois plus loin. Qui donc c'est distance parfaite pour éclipse soleil là avec la lune. C'est une bagaille qui pas arrivé aucun l'autre côté dans le système solaire nous. Donc ça la cause nous vraiment et spéciale en tant que chrétiens vivants. Éclipse lundi a frappé côte pacifique Mexique là pour commencer et puis traversé Texas à 14 autres états américains avant de passer sous Canada pour finir. N'a pas rappelé qu'une éclipse c'est la lune couvrit soleil là et puis bloquer rayon soleil yo pour yo pas arriver sous la terre. Il durait 4 minutes 28 secondes, ça dépend de qui côté ou y est le la passé. Presque tout le monde qui vit sur le continent Amérique du Nord a bien chance ouais au moins une partie dans l'éclipse là jodi a. Mais pour le monde qui pas ka wel, yo ka tandel. Pour faire ça, il y a une nouvelle technologie que yo mette à la disposition moun ki aveugle yo. Min Ha, c'est manager adjoint technologie dans l'école Perkins pour moun aveugle yo. And we can't see something, it doesn't mean that we can't experience something. Il dit même si nous pas ka wè un bagay, ça pas veut dire nous pas ka jouer expérience là. Nous gagne un pile sens qui différent qui permet nous jouer diverses expériences. Même si les différents, ça pas veut dire li pas gain valeur. Appareil moun aveugle yo pral servi pour écouter éclipse là relé light sound. Li essentiellement traduit lumière cap changé pour faire tourner un son. Le soleil l'a clairé en pile, une flûte sonnait. Et le la lune a commencé couvrir soleil là, gagne un clarinette qui sonnait. Le fait noir net gagne un son qui bat en pile. Projet a c'est résultat d'une collaboration entre un astronome qui aveugle qui relé Wanda Diaz Merced et puis un astronaute qui kawe qui travaille dans l'université Harvard. Diaz Merced traduit données liées au son pour les cas analyser tendances pour faire recherche. Il a été servi à premier prototype là pendant éclipse totale soleil là en 2017. Après ça, il a été servi à Vel pour une autre éclipse. Anissa a distribué 750 appareils pour Pipiti dans le lieu côté moun rassemblé pour garder éclipse là dans Mexique, États-Unis à Canada. Il a été organisé atelier dans université, musée et magasin qui fait appareil là pour apprendre moun qui gens pour yo servi à Vel. Menha dit ça fait Quelle content. I'm very excited about it. I'm definitely going to be a part of it. Lydie m'a très chauffée. Définitivement, m'a participé là-dedans, Anissa. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, c'est vrai que éclipse solaire c'est un phénomène scientifique mais il gagne pile impact, hein, il gagne aspect touristique, il gagne aspect économique. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis depuis New York sous impact économique que éclipse là provoqué quelque côté que l'a passé.
Éclipse solaire qui a passé dans le moment n'a pas là. Dans date lundi 8 avril 2024, ça, c'est peut-être un événement qui a passé une fois dans la vie en pile monde. Il y a plus passé 30 millions de monde qui sous trajectoire éclipse là. N'y a pas dans les États-Unis côté que y a une chance ou événement ça. Selon un pile analyse, éclipse là déjà fait un impact économique sous plusieurs villes et États qui ont même t'a préparé pour événement. Spécialistes ont estimé une augmentation de 6 milliards de dollars dans l'économie américaine. D'après une analyse que compagnie consultation économique qui relaie Perryman Group a fait, compagnie consultation a dit que l'éclipse a gagné en pile chance pour générer plus d'intérêt que l'autre éclipse qui passait en Amérique du Nord ni dans l'année 2017 là. Parce que durée éclipse année ça, puis longue, et puis prochaine opportunité pour yon moun wè, yon événement comme ça encore en Amérique du Nord qui arrive dans l'année 2044. Great American Eclipse, qui c'est un site information qui suit éclipse solaire à travers le monde là, prévoit que 4 millions de monde voyager pour éclipse là. Et l'administration aviation fédérale, FAA, estimait que jour avant éclipse là, c'était jour voyage qui était plus chargé dans la saison. Avec 50 670 vols dans jeudi 4 avril, et puis 48 904 vols dans vendredi 5 avril, ça veut dire que dépenses qui étaient à fête avant jour éclipse là, qui c'est jeudi lundi 8 avril là, qui donc des monde qui déplacé vini vendredi, samedi, dimanche pour y passer quelques jours dans zone côté que yo capable vivre événement. Par exemple, dans zone Westchester New York là, yo déjà estimé 300 000 à 500 000 visiteurs qui voyagent à travers région hein, et qui viennent porter l'argent by business local, yo couer hôtel, service logement Airbnb, restaurant, faire gaz ou mettre dans machine, acheter souvenir, avec l'autre business qui a desservi monde qui yo même te planifié viennent passer weekend avant événement éclipse là. Site internet qui vend lunettes spéciales pour éclipse là dit que yo sold out, qui veut dire yo pas gain encore pour yo vend. Compagnie American Paper Optics qui lui-même fabrique lunettes spéciales ça, dit que depuis année passée, vers date 14 octobre là, yo te recevoir plus passé 30 millions commandes pour lunettes ça yo. Lunettes spéciales pour éclipse ça que yo vend à travers pays États-Unis, Mexique et Canada. Dans zone Niagara Falls, qui c'est une gros cascade d'eau qui très reconnue dans zone New York là, bien bonheur d'ouvrant jour, en pile monde déjà fait déplacement vini pour réserver une place pour qu'à témoin et puis vivre éclipse solaire ça, jeudi lundi 8 avril là. Niagara Falls, gros cascade d'eau ça, qui sous frontière États-Unis à Canada, les mêmes touristes sous trajectoire éclipse ça, et zone là attiré touristes qui sortit dans tout pays pour venir garder événement ça. Des jeunes, ça y est, c'est élève l'école secondaire qui sortit dans la ville Pennsylvania. Ça a son expérience une fois dans la vie pour voir une éclipse, spécialement dans Niagara Falls. Moi, pas pensé n'a pas une autre comme ça pour des dizaines d'années. Et même si nous très loin la caille, nous, ça vaut la peine pour nous conduire sortir longue distance pour nous venir là. Oui, bien, ça c'est éclipse qui est plus près dans le moment que nous vivons là jusqu'à 2079. Même là, ça, si nous vivons toujours. Messieurs, dames, ça a sorti dans la ville Chicago. Yeah. Son bel bagage qui est amusant en plus de ça et Vepita Takagan aussi prise. Bah, j'en connais une proposition mariage. Nous très excités pour ça. Définitivement, ça a son gros moment pour nous. D'après scientifiques, prochain rendez-vous avec Eclipse Paboy ici aux États-Unis, t'as capable briver jusque dans l'année 2044. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Donc c'est définitivement un gros événement historique. Il y a un monde qui pral dit petit, petit yo. Que yo te présent et que yo te vive moment ça éclipse solaire total ça qui sorti Mexique qui passait sur les États-Unis et qui pral abouti dans pays Canada. Ou souvé ou akor l'op suivi un programme dans langue haïtienne n'a quitté zone Amérique du Nord pour aller dans région Moyen-Orient et ben côté Israël annoncé li touye un gros commandant Hezbollah dans une attaque dans sud pays Liban pendant que autorité israélienne dit que yo même y a paré pour un gros attaque dans Rafah malgré position les États-Unis avec Nations Unies. Serge Rodriguez, quel détail. Responsable militaire israélien fait qu'on ait touillé un commandant Hezbollah jeudi lundi à dans le cadre d'une attaque aérienne sur parti sud Liban. Commandant Silla a mené plusieurs opérations qui ciblent les régions nord État juif là. Un communiqué Israël publié identifie des fins commandants comme Ali Ahmad Hassin qui fait partie force Rodan groupe Hezbollah. Yoav Galant, c'est ministre défense Israël. Force nous y a fait retrait, une façon pour préparer prochaine mission yo va confier yo. Nous allons jouer sur quelques missions dans sens ça, dans opération Shifayo, ensemble avec future mission dans région Rafah. De notre côté, plusieurs centaines de monde étaient rassemblés dans la ville de New York hier dimanche 7 avril là pour exiger libération 130 otages militants Hamas toujours kembé dans Gaza après 6 mois yon la guerre état Iboya à groupe militant Hamas là. Manifestation hier dimanche là bas la ville de New York, c'est seulement une dans diverses lots qui a déroulé
dans plusieurs grandes villes sur planète là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sous Bopali dit pape ka gagne un cessez-le-feu tout autant militant Hamas yo pas libéré otage. Évarti la keila ben noumit. Moi déjà fait communauté internationale la connaît en clair pape gagne aucun cessez-le-feu tout autant yo pas retourné otage yo ba nou. Cessez-le-feu ça pape fait. C'est politique gouvernement Israël là et moi bien accueilli le fait que administration Biden n'a pas parlé en clair ça gagne deux jours pour dire qu'il a même position avec nous sur question. Moi voulais ajouter une autre bagaille, c'est pas Israël qui bloqué un accord dans sens ça, c'est plutôt groupe Hamas là qui l'a causé. Il y a une manifestation qui s'est déroulée ici à Washington tout avec participation membres famille otage qui toujours en bas main groupe Hamas là parmi yo Ilan Sigel qui c'est petite fille Kit et Aviva Sigel qui ont été pris comme otage. Aviva qui était joint libération li après 51 jours captivité, te prend la parole pendant la manifestation Washington. I had no human rights. Moi pas joui aucun droit humain. Moi te senti comme si moi pas représenté rien, mais moi te retourner la caille moi. Pendant ce temps, Israël déjà tué plus de 33 000 personnes dans Gaza dans le cadre d'opération Kif Kif sous Hamas pour attaquer mortel groupe ça a été lancé sous État Hébreu dans date 7 octobre passé. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez, sous VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtien. Nous allons entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité dans le pays d'Haïti. C'est bien gagné date pour installation conseil présidentiel transition qui poko fixé malgré que gon accord qui sorti un accord sur transition pacifique et ordonné. Nous gagne Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui gagne Cap-Banou yon idée de accord ça. Conseil présidentiel là dans le pays d'Haïti sur route pour prendre forme tout bon vrai. Divers secteurs qui en dedans effectif ça signent deux documents. N'a parlé de accord politique là avec projet décret de deux documents ça yo déjà à joindre CARICOM qui doit bon côté pal voyer le premier ministre démissionnaire Ariel Henry. Gouvernement intérimaire convoqué bon côté pal un conseil ministre dans l'idée pour arrêter décret qui portait nomination conseil présidentiel là. Selon information yo yon fois étape ça franchi secteur qui composait conseil présidentiel là a organisé élection pour élire un président si tout va passer bien. Conseil là capable rapidement installé dans palais national. Document qui relait accord politique pour une transition ordonnée et pacifique, gain la donne 53 articles. Selon article 13 document, mandat conseil présidentiel là prend fin 7 février 2026. Selon article 2 document, gain 3 organes qui prévoit mettre en place dans cadre des marchés conseil présidentiel là, gouvernement et organe contrôle action gouvernementale qui gain tinon jet li au CAG. Au CAGLA, a bien la donne 15 membres, parmi eux, organisation défense droits femmes ak jeune k'ap voye deux représentants. N'a souligné, fonction principale conseiller yo, c'est mettre sécurité en des pays à redresser économie et organiser prochaine élection. Nan document, yo prend décision tout pour pas prolonger mandat yo k'ap démarrer nan date prestation seulement. Poko gen ken date ki fixé pour installer conseil présidentiel là, selon yon source non capable faire confiance. Yon mois après Ariel Henry nan campé loin dans pays les États-Unis, côté gang armé yo empêché le retourner dans pays d'Haïti, pays a complètement en mode pilotage automatique. Administration publique la fermé environ yon mois après, vol yo suspend en raison de attaque gang yo a fait dans aéroport qui toujours poko reprenne service. États-Unis, Canada, la France a organisé vol spécial pour sortir citoyens yo nan kaosa dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et on dit que si y a un nouveau accord politique ça, eh ben il provoque en pile réaction. Nous connaissons que gain réaction qui en faveur conseil présidentiel de transition, mais gain tout qui t'a voulu que y aller dans cour de cassation pour choisir yon membre cour de cassation qui régulièrement est nommé d'après ça yodi. Nous allons rejoindre Renan Toussaint depuis Port-au-Prince qui gain réaction sur accord politique là. Dossier qui gain rapport avec signature accord politique qui t'a dû faciliter mise en place conseil présidentiel de transition. Hein? Soulever réaction négative, bon côté certains leaders politiques haïtiens, parmi eux, ancien député Serge Jean-Louis, qui c'est leader Force nationale pour démocratie FND. Mais c'est un accord d'exclusion. C'est un accord qui écrit masse là. Un accord qui écrit une bonne partie de la société, les forces vives, soit les forces progressistes, à quoi ça, c'est un accord qui exclut. Donc, quand même, on prend distance, non? D'autant plus que, c'est la dictée de la communauté internationale. Dans le temps, oui, les arrivées, ils ont le protesté, ils ne vont pas protester. Ancien député Serge Jean-Louis réitéré position
pour le dire, c'est choix un juge de cassation qui a un intérêt pays d'Haïti. La Cour de cassation, c'est meilleure voie. La Cour de cassation, c'est la voie la plus sage. La Cour de cassation, c'est la voie, comme Zim Dagado, jurisprudentielle et qui a une référence positive dans l'histoire pays, à qui va résultat. De l'autre côté là-bas, conseil présidentiel, tout le monde est d'accord, il n'y a pas jamais de résultat. Bon côté parle, Saint-Jean Martini, responsable parti politique, nous d'accord, replanifier Haïti, nous dira plaider en faveur installation sans perdre du temps, conseil présidentiel transition. Nous demandons avec la terre, il faut avoir un dépassement de soi. Nous, gouvernement d'Ariel Henry, il faut aller rapide. Il faut qu'on s'en installe. Moi, je vais vous dire que c'est ça. Parce que Haïti n'a pas de personne morale qu'on y a. Haïti n'a pas de personne physique. Dégage, nous prenons une résolution sur quelque chose. C'est important. Parce que matin, c'est la même 7 ou 9 7 ou 9 heures, Majesté Salomon, 7 ou 2 jeunes filles, il n'est pas normal. Vaccin a une facilité et sécurité a une augmentée. Messieurs, dames, nous tranquille, nous sommes un gouverneur, nous sommes un ministre, c'est des gens qui veulent manger. Bien sûr, parce que nous avons un paquet de bagages que l'État, le pays, a fait une monde. Pas de la question des droits de veto. Tout droit de veto concerné, pas haïtien. Un dossier n'a pas suivi. Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et ben dans tout débat politique ça ben bandi pas suspend si main la terre yo boulé yo pillé et parmi yo et parmi ça boulé et pillé gagné l'église et Baptiste qui dans route de la Réunion tout près ancien palais justice là on a rejoindre Machado Vilmé. Dans la nuit de vendredi 5 pour lever 6 avril, bandi qui fait partie vivre ensemble yo pillé première l'église Baptiste qui dans route de la Réunion qui pas trop loin palais national. Dans un communiqué responsable l'église a mis de 6 avril, fait qu'on est bandit au poté aller tout ça qui a rapport avec sonorisation, informatique, ventilation, sortie à l'église. Là. Dans le même communiqué, si là, pasteur à l'église a fait qu'on est, c'est depuis 24 mars passé, a bandit a commencé à attaquer l'église qui est 188 l'année depuis l'existé. Il y a l'autre côté, gang taliban qui a en tête li, un certain Jeff Koloa, crasé un commissariat police qui est en bon repos, direction nord capitale, dans la nuit dimanche pour lever 8 avril. Là. Bandio utilise yon pelle excavatrice pour capable commettre zaxila. Ça nous capable voir nos vidéos qui circulent sur réseaux sociaux yo. Et pour jeudi lundi 8 avril 2024 là, coup de balle passe suspend chanté presque dans toute région métropolitaine là. Comme ça, c'est maintenant démarré dans la capitale haïtienne. Côté l'école, banque commerciale et commerce rete ak porte fermée. Toutefois, la police continue à multiplier les efforts pour contrer carré bandi yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Machado Vilmé pour Viroa Creole. Et puis, l'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, en pile monde qui bénéficie du programme Biden, un peu de courir à aller à l'aéroport au Cap-là. Après, il y a une rumeur, une nouvelle qui t'a fait quoi que gagne un vol gratis, Tichéri, pour les États-Unis. Et Gérard Maxino, abdi-nous plus sous question ça. En pile monde dans le programme Biden, t'es débarqué dans l'aéroport au Cap-là, samedi 6 avril 2024, après information que t'es fait comprendre, gagne un vol gratis. Pour bénéficier programme ça, quelques temps ont déclaré y ont même gagné temps arrivé inscrit pour quitter pays à bord avion ça. Moun sa yo te vle profite de voyage si la pour aller aux États-Unis. Yo fè comprendre depuis commencement crise lan, tike yo vin très cher. Yo employé ki pa vle visage y paret, fè veyo ak yo konnen, te vin gen. An pile moun nan salle départ et à Portland et te même commencé gen raquette ka fèt. Avion te volé vers 7h10 soir comme ça ak américain qui te bloqué dans pays an tant kou sa fèt presque chaque jour dans aéroport international cap haïtien.
pas gen aucun responsable qui confirmé pour VOA créole que vol ça qui te vinn chercher américain qui te bloqué dans pays an t'a porté bénéficiaire programme Biden yo gratis VOA pas trivé joindre tout document qui parlait de ça. Cependant Patrick Almono yon magistrat en après ville capaïtien fait la voix d'Amérique connaît pas vraiment gain vol gratis qui programmé pour bénéficiaire Biden yo. Selon monsieur Almono yo te bay possibilité à ressortissant américain yo pour voyager à quelques mineurs qui gain autorisation voyage et qui te gain gen dossier qui rempli pour ça. Effectivement on parle de vérité dans ça. Oui, gain moun qui dans Biden qui jouit de l'opportunité à. Mais cependant, Jean Obaik nouvelle là, c'est pas ça qu'elle veut. C'est pas deux avions qui viennent, qui viennent prendre monde fruit. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des citoyens américains qui sont allés avec eux, mais eux même ils ont des adolescents qui ont été mis dans l'ISPAO que qui passaient dans le processus et que monde ça aux adolescents ça effectivement ils ont gagné, ils ont approuvé par Biden, ils ont gagné tout document et eux même ils ont été juge de privilège pour que ils ont gagné chance pour aller flou. Ça veut dire mais c'est pas on va être comme dans un désordonné que tout le monde qui a un papier, tout le monde qui a approuvé par Biden dans tout pays a venir et puis on décider comme ça on monter avion ou bien on vient vous mettre devant aéroport. D'ailleurs il a pas créé une cacophonie. Ensuite il a pas créé une concurrence déloyale par rapport à l'autre avion privé qui a fait business et puis d'abord et puis on l'autre avion venir et puis dit gratis là pour tout le monde. C'est dit tout avion qui loué qui venir il a pas dit mais pas un problème, il a campé en attendant que il fini le processus gratis là. En pile nan bénéficiaire Biden yo toujours gen dans l'esprit yo américain voye yon avion gratis pour venir chercher yo en Haïti. Gérard Maxino Kabaïsien pour la voix. Et actualité a konye ap mene nou nan état Floride côté groupe croissance organisé weekend sa première édition sommet international de la finance nan Miami. Sommet de jou sa te réuni plusieurs acteurs social, économique et politique dans la diaspora haïtienne dans l'État Floride pour parler de plusieurs sujets. Nous tenons sous place Luxon Saint-Ville. Rendez-vous a été cassé dans Miami Airport Convention Center. Côté haïtien qui sorti dans divers états, te vin tande, c'est l'idée sous qui gens diaspora ka contribuer dans développement pays. Avec 4 milliards de dollars transfert yo voye Haïti chaque année, diaspora représente celle secteur qui gagne plus l'argent qui injecté dans l'économie Haïti. Kesne Farel, PDG groupe croissance estimé l'été important pour mener sommet à Bayo pour venir parler plutôt des opportunités d'investissement. Si vous voulez l'argent, bon, après m'pas gérer l'argent. Si vous voulez l'argent, bon, après m'pas capable produire avec, ou qu'on connaît que dans 4 milliards de dollars, il y a 1.4 milliards qui allent en République dominicaine dans l'importation manger. Mais si c'est pas là que Haïti t'a aimé voir l'argent qu'on y a là. Organisateur sommet a voulu voir l'argent diaspora voyer aller dans production. Au lieu yo aller dans consommation avec activité Jansa Frandlé Denis Julien qui se youn nan partenaire sommet a voulait lancer yon appel by haïtien à l'étranger yo. Au lieu que continuer à supporter femme et examen seulement côté que c'est je sois des moyens survivre jodi a là ou capable participer dans des mouvements de développement éducation finance sociale politique technologie management production. C'est ensemble thème qui te débat pendant deux journées ça yo. Ça nous souhaiter c'est que diaspora avec haïtien monde qui a développé projet dans le nord dans le sud qui là aujourd'hui qui a présenté dans le domaine éducation, le domaine agribusiness, dans le domaine santé et dans le domaine infrastructure etc. pour que yo travaille ensemble sous de nouvelles approches. Pour participants yo c'était une belle occasion pour yo te prendre connaissance de situation Haïti dans divers domaines et puis envisager qui gens yo capi bien contribuer. Moi là pour m'apprendre, moi là pour me faire une série de connexions, moi là pour me participer. En pile diaspora agit à l'individuel car rentrer dans le collectif. Et moi crois c'est ça qui est vraiment important. M'a participé dans sommet international finance ANISA comme intervenante pour me vraiment positionner secteur énergétique en Haïti côté que moi voulais venir inviter diaspora pour lui entrer dans le secteur ça pour nous capable renforcer. Première édition sommet international de la finance dans Miami était déroulé en présence divers élites haïtiano-américains parmi eux Sheila McCormick Sheffilus qui s'est parlementaire dans Congrès américain. Groupe croissance casse rendez-vous prochainement avec haïtiens qui dans Montréal et New York pour venir parler finance, parler économie et puis dans Kimézi diaspora qui tout côté sous la terre qui participer dans changement pays yo. Depuis Miami, l'État Floride.
Luxon Saint-Ville pour Véroa Créole. Quelques autres points avant d'aller, n'a pas dit que un conflit diplomatique entre Mexique avec Équateur après que policier Équateur est rentré dans l'ambassade Mexique dans Quito, la capitale là pour tal entrer pour un ancien président que yo t'ap cherche. Et puis gen Donald Trump lui-même qui prend en position qui inhabituelle côté que il dit pas il compte question pour interdire avortement au niveau national, li plutôt quitter pour chaque état yo même yo prend position pa yo. Pas oublier que 2024 là son année électorale ici aux États-Unis. Elena, nice to see you, welcome back. Et puis nous dit gentil Jean-Marc Verbella Cheng Wang, les amis pa nous dit merci, c'est ton plaisir. Moi c'est Jacques Belizer, bonsoir. Et à demain. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais vous quitter ou non, papa, bon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas me c'est fou qu'on rendez-vous quand c'est lui-même à 7h. Bisous, bisous, one love.